19h30 à Pointe-Noire, République du Congo. Vous suivez Lux Télévision, madame, messieurs, vous faites bien place au journal. Bonsoir à chacun et à tous. De la suite de sa visite d'État en Russie, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Saint-Pétersbourg en fin d'après-midi du vendredi 28 juin 2024. Dans cette ville économique, le chef de l'État congolais a eu une séance de travail avec des investisseurs avant d'assister à une pièce de théâtre. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Poursuivant sa visite d'État en Russie, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Saint-Pétersbourg ce vendredi 28 juin en début d'après-midi. À sa descente d'avion, une cérémonie d'accueil a eu lieu à l'aéroport Paul Gauvau avant son installation à l'hôtel Lotte. Sans répit, le président de la République entame un programme éminemment chargé dans la capitale économique de la Russie. Denis Sassou Nguesso s'est d'abord rendu à Smolny, le siège du gouvernement de Saint-Pétersbourg, pour une séance de travail avec le gouverneur Alexandre Belglov, entouré des investisseurs et hommes d'affaires russes. Les discussions ont principalement porté sur les questions économiques visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Aussi ont-ils passé en revue les opportunités qu'offrent les deux pays et les possibilités de coopération économique qui permettront à terme de faire de grands projets et pour un développement partagé. Les investissements portent sur plusieurs domaines, de la production des engrais agricoles, de l'énergie, de la construction des infrastructures, la gestion des produits numériques et l'aménagement des zones touristiques. À la suite des entretiens avec le gouverneur, le président Denis Sassou Nguesso a assisté à une pièce de théâtre au théâtre Mariinsk. Cette étape de Saint-Pétersbourg marque le début d'une visite prometteuse visant à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la République du Congo et le gouvernorat de Saint-Pétersbourg.